ya 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 maji halivyo, maji halivyo na ihuwa lepe dome nyonyota mande zifaye venu tina lepe uka odume maji halivyo na ihuwa lepe dome nyonyota mande zifaye venu. Salo mate wa pleu Monsieur Yesu wa namna mane mi fae otina etu ka udu me mate na vivio na iwa le pe do me nyonyota mate mi fae otina etu ka udu. Salom, mate wa pleu, Monsieur Yesu, bon amla, mate mi fae peno tina, edu ka udu me, oh, tika pleko salom, mate wa pleu, Monsieur Yesu, bon amla, mate mi fae peno tina, edu ka udu. Alléluia. Si me fa Yesu, mano ani pri. Oh, me ya no si o wana, me ya me u bego ha. Me ma du jo te koyo yo, me ya no si o wana. Me ma du jo te koyo yo. Anu si wona e si me ho Yesu mano ani pira e si me ho Yesu mano ani pira me anu si wona me ame u bega e ma du jo. Si vous voyez.
Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu trois fois saint. Gloire ton Saint-Nom. Seigneur, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Seigneur, aide-nous pour que notre âme ne périsse point. Seigneur, aide-nous. C'est à cause de cela que tu es venu payer le prix pour nos péchés. Seigneur, aide-nous, le Dieu d'amour. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Dis un seul mot, que notre âme soit sauvée. Seigneur, merci que tu as aimé ma langue. Seigneur, merci infiniment et tu es venu à moi pour parler à ton peuple. Seigneur, merci. Je crois en toi et tu es fidèle à ta parole. Simplement qui vit, mais c'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui vit en moi. Parle à ton peuple. Seigneur, merci. Aide-moi à parler. Aide-moi à enseigner ton peuple. Enseigne-moi pour enseigner. Ouvre-moi les yeux pour ouvrir les yeux. Seigneur, mais est-ce que tu l'as fait? Gloire à ton Saint-Nom. Ouvre l'esprit pour l'entendement de tes enfants. Mais est-ce que tu as ouvert leur esprit pour comprendre l'écriture de ta parole? Seigneur, merci. Et je prie que toute âme fonge compte, tes enfants seront sans effet. Gloire à ton Seigneur. Seigneur, merci que ton esprit est derrière et il prend contrôle. Seigneur, si tu es pour nous, qui seront contre nous, personne. Mais est-ce que tu es avec nous? Et rien ne peut jamais nous séparer de ton amour infiniment que tu as pour nous. Qu'au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Prenez-le, mes bien-aimés. Le cantique dit que c'est à un homme de gagner le monde entier. C'est vrai? Tu as tout. Tu as tout. Tu as toutes les femmes. Tu as tout. Mais ton âme, tu l'as perdue. Là, même si tu n'es pas venu dans ce monde, c'est mieux. Mais bien aimé, le préambule qu'on a mis sur YouTube, il y a un vide qui est autour de moi. Le vide là, c'est quoi? Mais bien aimé, entre temps, il y avait un vide qui est autour de moi. Moi qui vous parle. Mais gloire au Seigneur qu'aujourd'hui je ne suis plus vide. Le monde entier peut m'abandonner, mais je ne suis pas vide. Comme le Père de Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant dit, je ne suis pas vide. Il y a le Père qui est avec moi. Alléluia. À l'époque, j'avais tout à l'époque. Menti pour avoir de l'argent, j'ai le moyen. Acheter quelque chose de 10 000 pour prendre 500 000, ça ne me touche pas, ça ne me dit rien. Acheter quelque chose de 30 000 pour avoir 7 millions, ça ne me dit rien. J'ai tout le monde comme ami, les filles, je change les filles comme on change les vêtements, ça ne me dit rien. Mais dans toutes ces choses, il n'y a pas la paix en moi. Bien-aimé, dans toutes ces choses que je faisais à l'époque, mais il n'y a pas la paix en moi. Il y a un vide qui est autour de moi. Les présidents, le conseil des présidents, c'est moi qui ai vendu leur Viagra. Et Dieu sait que je ne m'en pas ce que je vous dis. Les grands, les commandants, les capitaines, les soldats, les avocats, tous les grands dans ce monde, ils étaient tous mes amis. Mais les gens qui étaient en Europe, à l'époque, on les a racontés quand ils étaient à l'aéroport, je les ai vendus les Viagra, et ils m'ont appelé, ils ont commandé les commandes. Rien ne manquait pas. Femmes rouges, noires, toutes les couleurs, rien ne me manquait pas.
mais il y a un vide qui est autour de moi. Mais bien aimé, si c'est l'argent, ça ne me manque pas. Mais il y a toujours un vide. J'ai l'argent, mais la paix, qu'on dit que quelqu'un qui a la paix, ça me manquait. Mais j'avais toutes les femmes de toutes les couleurs. Coucher avec les pans de tri. Mais il y a un vide qui est autour de moi. Mais bien aimé, j'avais tout. Pour se tresser en rasta, ça ne me dit rien. Prendre mes cheveux pour attacher comme chignon, ça ne me dit rien. Pour changer ma peau, couleur comme métisse, ça ne me dit rien. Ce n'est pas mon problème. De toutes les parfums, ce n'est pas mon problème. Mais il y a un vide qui est autour de moi. Mais bien aimé, coucher avec les femmes. Eux-mêmes vont aller parler entre eux et dire, hey, le gars là, il est fort. Dans toutes ces choses, il y a un vide qui est autour de moi. Coucher avec les femmes de tous. Si je vais appeler leur nom ici, on va me mettre sur le poteau. Je vais finir. Rien ne va plus rester. Mais dans toutes ces choses, il y a un vide qui est autour de moi, bien-aimé. Je pars de ma vie. Comment rester sur les pas? Faire 2 heures du temps pour qu'on te donne de l'argent. Mais il y a un vide en moi. Il y a ce vide-là qui est en moi. Mentir pour avoir de l'argent, c'est beaucoup, mais il y a un vide qui est en moi, mes bien-aimés. Comment je vendais le Viagra au pasteur? L'argent vient partout. Comment je priais à travers le chapelet? Je commence mes minutes à 5 heures du matin. Mais avec toutes ces choses, il y a un vide qui est en moi. Des fois, moi-même, si je suis, je m'énerve à moi-même, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est qu'il y a un vide qui est en moi. Il y a un vide qui est en moi. Mais bien aimé, le vide là, c'est qui? Je vous parlerai. Vous écouterez tout à l'heure. Toutes les femmes appelées partout. À le pain qu'on m'appelait Roméo, oh toi là, si tu étais dessus la terre, aucune femme ne va jamais abandonner son mari. Malgré de tout ce que les gens me disent, il y a toujours un vide qui est autour de moi. Roméo, on va te demander, hein, est-ce que pour faire l'amour là, tu as appris ça à l'école? Oui, on nous montre au campus, mais je n'ai jamais mis au campus. Il y a un vide qui est autour de moi. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être il y a un vide aussi qui est en toi. Tu as des maisons, tu as des voitures, tu as tout, mais il y a un vide qui est autour de toi. Tu cherchais quelque chose, comme moi, si je cherchais avant, comme paix. Mais je ne l'ai pas trouvé. Les statues de Vierge Marie, statues de Ange Michel, statues de tous les saints. Il y a tout. Mais il y a un vide qui est autour de moi. Sacrement de catholique, comment prosterner, comment demander quelque chose, ce que je voulais. Mais avec tous les sacrements du Togo, il y a un vide qui est autour de moi. Mais bien aimé, ce que je vous dis, c'est une vérité. Il y a un vide qui est autour de moi. Un jour, je devais mourir. Peut-être vous ne me verrez plus comme je vous parle. Quelqu'un dans ce pays, il est grand. Comment je suis rentré dans sa chambre pour faire l'amour avec sa femme?
Et le jour-là, ça sera ma fin. Le jour-là, ça sera ma fin. Le monsieur voulait ouvrir la moi. Et là-dedans, on l'a appelé derrière que, monsieur, on a trouvé ce que tu voulais. Si on a ouvert sur moi, vous allez imaginer ce qui va arriver. Il était un grand, il devait m'arroser, crou, et puis c'est fini. Mais avec tous ces choses, au lieu de fuir, non. J'ai fait encore ce que je veux. Mais dans tous ces choses, il y a toujours un vide qui est autour de moi. Mais bien aimé, c'est une vérité ce que je vous dis. Il y a un vide autour de moi. Tous les péchés dans ce monde, je fais. Mais il y a un vide qui est autour de moi. Tous les péchés qui est dans ce monde, j'ai fait. Tous les péchés que j'ai fait. Mais il y a un vide qui est autour de moi. J'ai une fois appris, on a parlé de quelqu'un qui est Jésus. Si on dit si quelqu'un le raconte, il va trouver paix. Si tu racontes Jésus dans ta vie, si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas trouver paix. Je sais, dans toutes les coins pour accepter ce Jésus dans mon cœur pour avoir la paix, mais il n'y a pas la paix là, en moi. En moi, dans tout ce que je suis un homme fort, fort même. À Djidjolé, au Togo, un quartier s'appelle Djidjolé. Il y a un karatéman qui entraîne les militaires de l'Inver au Togo. Et dans tous les quartiers de Djidjolé, s'il arrive tout le matin, parce que le maître arrive. Mais moi, je n'ai pas peur de ce maître. Ce que je vous dis, le Seigneur témoin. Mon oncle paternel, il est en France. Il sait ce que je dis. Il travaille à Banque mondiale. Il sait ce que je vous dis. Le jour-là, il était au Togo. Et le jour-là, je suis dans le monde. Comment ce homme qui dit qu'il est maître, que celui qui est en train d'entraîner les militaires, bébés, si c'est karaté-là, il faut aller dormir. Caractère pour lui, c'est quand il faut boire de l'eau. Il est venu dans notre maison, dans la maison de mon oncle paternel, pour aller chercher la fille de mon oncle. La fille de mon oncle, il avait donné un enfant, mais on ne connaît pas le père. Maintenant, le maître là arrive encore. On dit, toi! Tu as fait un enfant, tu ne connais pas le papa. Et celui-là aussi vient. Ce maître-là que vous appelez qui est maître, lui aussi vient. Si lui aussi te dit que la brosse que tu aurais qui ne te connaît pas, comment tu vas faire? Il dit, il ne faut pas parler de maître. Hein? Sinon, je vais l'appeler tout et il va te corriger. Demande. Mais avec ce maître, moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, il faut courir puisque le moussi, il faut aller l'appeler. Tu vas voir comment je vais le corriger devant toi. Il dit, que? C'est fini pour moi. J'avais la force. La force, Dieu me l'a donnée. Si c'est karaté, je crois que c'est Dieu, mais c'est Satan. C'est la force. Demandez à nier. Tout le monde, ils ont eu peur de moi. Tu ne peux pas parler de ma maman, ou bien parler de mon papa, ou bien parler mal de mes petits frères. Tu ne peux pas, tu ne peux pas oser. On dit, qui, tu sais, c'est le petit frère de celui-ci. Et bon, je ne savais pas, pardonne-moi. L'homme de maître qui est en train d'entraîner les bébés au Togo, la fille de mon oncle, elle est partie pour l'appeler. Qu'il y a un élève là qui va embêter maître.
Maître est déjà arrivé. Maître, tu ne sais pas comment les gens parlent de moi. Toi, tu ne parles pas de moi. Je vais te corriger, il sort. Je dis, c'est ton enfant. Il dit, sort. Il dit, je veux te corriger, je vais te lier et tu seras là-bas midi. Alors, c'est ce qu'il fait aux gens dans le quartier. Et tu ne résolves pas de lui. Moi, j'ai souri un peu. Il m'avait lié. Tu m'avais lié. Oh, on va voir. Maître. Et mon oncle, il dit, il ne sort pas. Je dis, non, hop, je vais aller. Il a quand même lié, on va voir. Mais bien aimé, avec toutes ces choses, il y a une vie qui est autour de moi. Il n'y a pas la paix. C'est vrai, j'ai la force. Dieu me l'a donné. J'ai sorti. Le monsieur a fait sortir son ceinture. Ceinture de militaire. Il dit que c'est avec ça que je vais te lier, je vais te corriger parce que toi tu as osé de m'embêter. Et il y a des gens qui disent, oh maître, laisse-nous, on va le corriger. Oh maître, oh, laisse-nous, on va le corriger. J'ai souri, j'ai dit, vous tous allez vous mettre là, on va voir. Si vraiment là, si c'est le militaire du Togo là, moi je ne suis pas militaire togolais. Moi aussi je suis un autre. Directement, Karateka Mal, qui a son ceinture noire, il a fait sortir son ceinture. Il a lancé fier. C'est moi, j'ai souri un peu. C'est parti sur ma tête comme ça. Il dit, ah bon? Là, tu vas dire que toi aussi, tu connais ça là. Je dis, c'est toi qui dis que je connais. Mais bien-aimé, viens voir comment les gens... Les gens disent, ah, oh, maître, ah, oh, c'est un enfant, ah, oh, pardonne-le. Oh, maître, ah, oh, oh, c'est un enfant, tu vas le tuer. Mais bien-aimé, sans vous mentir, le jour-là, tout le quartier de Djidjolé, le jour-là, il dit, hé, hey, maître, aujourd'hui, tu as raconté ton garçon. Maître, là, aujourd'hui, là, tu es maître, mais aujourd'hui, tu es devenu élève. Parce que ce petit-là t'a humilié. Ce maître, il t'a humilié. Il t'a humilié. Maître Haït avait son karaté. Et il a fait judo. Il a fait tout. Il a zéro. Même un seul coup. M'a pas arrivé. S'il fait seulement, ça le fait mal. Je dis, maître, tu es maître, viens. Viens, maître. Il est fatigué. Mais, maître, même le jour-là, il a démissionné. Seulement un seul coup. Parce qu'avant, il faisait. Je le regardais. Mais pour lancer là, je dis, je connais, je te connais, on se connaît. Mais le moment que moi aussi j'avais comme ça, il craint que moi aussi je fais comme lui. Il n'attendait pas ce qui va lui arriver. J'avais comme ça. J'ai dit, tu me connais. Aujourd'hui là, tu vas me sentir. Il craint que je fais comme lui. Directement, je l'ai donné. Il a sauté comme on a joué un ballon. Maître par terre, maître n'allait pas élever. On dit, mec, il a tué. Maître, on l'a tué. C'est un seul coup, maître par terre. Mais avec toutes ces choses, je n'ai pas la paix. La paix, je n'ai pas. Mais il y a un vide qui est autour de moi, mes bien-aimés. Lendemain, maître même là, celui qu'on appelle maître est venu, alors ici, il a gonflé comme ça, pour dire que ce n'est pas... un point de naturel que c'est, il y a quelque chose derrière le coin là que je lui ai donné, qu'il est venu pour demander pardon, pour lui faire afla. Je dis, qu'on appelle afla que, pour le délivrer. Pour te délivrer.
Mais avec toutes ces choses, mes bien-aimés, je n'ai pas la paix. Il y a un vide qui est autour de moi. On a parlé de quelqu'un. On dit, si tu l'as raconté, tu auras la paix. J'ai rencontré Jésus partout des églises, mais le vide là est toujours derrière moi. Et la paix là, la place de la paix là est vide. Mais bien aimé, ce que je vous dis, c'est une vérité. Il y a un vide qui est autour de moi. Et la paix que je cherchais, même si c'est l'argent pour l'acheter, je suis prêt. Parce que j'ai escroqué les gens et j'ai l'argent. On a demandé à Ménusier qui nous a fait des soccer là qu'on met l'argent. Ma femme est témoin. C'est pas petit soccer. On a fait grand comme ça. C'est pas soccer qu'on peut enterrer les gens. Mais ce que les gens appellent tir lire. J'avais ça, on a pour mettre l'argent, tir et lire. Ce qu'on a fait pour mettre l'argent. C'est grand comme ça. C'est pas petit affaire. 10 000, 5 000 là, c'est rempli. Mais bien aimé, ma femme même a vu, elle a eu peur. Elle dit, chérie, c'est l'argent de drogue. Tu vends du drogue? J'ai dit, drogue? Jamais. Moi que vous voyez, dans toutes mes bandits que j'ai fait, tant que je n'aime pas Jésus, je n'ai jamais vendu du drogue. Je n'ai jamais pris la drogue, ni fumé. Ni prendre l'alcool dans ma vie, non. Je ne faisais pas ça. Mais les autres, je suis prêt. Drogue pour fumer, pour prendre l'alcool, non. Sucrerie, je prends. Partout, dans toutes les églises, il y a un vide qui est autour de moi toujours. La paix que j'ai cherchée, je n'ai pas trouvée. Mais bien aimé, moi que vous voyez, j'ai péché plus que tout le monde dans le monde. Mais je sais pourquoi, aujourd'hui, Jésus m'a aimé. Et je sais pourquoi, aujourd'hui, la paix que je cherchais, Jésus m'a donnée. Je ne sais pas pourquoi le vide là, qui était autour de moi, je sais pourquoi Jésus a comblé le vide. Je sais pourquoi aujourd'hui Jésus a comblé le vide. Je sais pourquoi. Parce que j'ai fait tout, j'ai péché plus que tout le monde. Et tant que je suis dans le monde, je n'ai jamais dit la vérité à ma femme. Vérité, je ne l'ai jamais dit la vérité. Et je n'ai jamais dit la vérité à aucune femme dans ma vie. Toutes les femmes disaient qu'ils m'aimaient, mais moi je n'ai jamais aimé aucune femme. Parce que c'est eux-mêmes qui s'intéressent à moi. Moi je ne l'aime pas. Et je ne fais pas la cour à des femmes. Plus que 3 jours, ça ne devait pas avoir 3 jours. Si je fais la coupe premier jour, je te dirais qu'il reste 2 jours. Mais il faut bien compter qu'après 3 jours là, ne viens pas pour demander pardon. Ne me dis pas que maintenant là, tu es d'accord. Non, ne me dis pas. Deuxième jour, troisième jour là, si tu n'as pas accepté, c'est fini. Mais dans toutes ces choses, il y a un vide qui est autour de moi. Il y a un vide qui est autour de moi. Moi qui vous parle, c'est une vérité incontournable que je vous dis. Moi que vous voyez, je suis au milieu de 4 femmes, moi seul. Avec toutes ces choses, il y a un vide qui est autour de moi. Moi, je suis parmi eux. Et dans toutes les 4 femmes, tout le monde a pleuré. Mais il y a un vide qui est autour de moi.
il a la force, hein. Et le gars là, si tu as eu là, toi tu vas sentir. Mais il y a un vide qui est autour de moi. Il y a un vide. Et il y a la paix. La paix que je cherchais, je n'ai pas trouvé. Si je vais vous parler de ma vie, je ne vais pas quitter. Mais, un jour arrière, que j'ai écapé un petit radio pour écouter la parole de Dieu. Un bon matin comme 5 heures ou bien 4 heures, je ne me rappelle pas bien, mais je savais que c'est un bon matin. Et quelqu'un qui prêchait la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est vrai, Jésus m'a appelé, je prêche la parole de Dieu. Mais le gars là, l'homme de Dieu là, si c'est l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu, vous allez voir maintenant. Il a prêché, j'ai pleuré avec mes larmes. Je dis, ah, peut-être ce que je cherchais. Peut-être c'est ça. C'est ce que je cherchais. Il dit, toi jeune homme, tu te dis que tu es fort. Tu te dis que tu as de l'argent. Tu te dis que tu peux taper 1000 hommes, 2000 hommes comme Samson. Mais tu sais que il y a un vide qui est autour de toi. Tu dis, je me suis bien approché pour écouter. Et j'ai donné le volume. Parce que je n'aime pas les radios là. Parce que c'est Radio Maria que je voulais attraper. Pour attendre, je vous salue Marie. Plein de glace. C'est ce que je voulais attendre. Et ce que le gars est en train de dire, j'ai dit, il y a un vide qui est autour de toi. J'ai cherché le vide là. Que dans tout ce que tu fais là, Jésus m'a envoyé pour te dire que viens à moi, tu auras la paix. J'ai dit, ah, ce que je cherchais. Oh, il y a un vide qui est autour de moi. Et maintenant, je vais accrocher à Jésus et je vais avoir la paix. Waouh! Waouh! Le gars a parlé. J'ai pleuré. Mais bien, mais je pleurais intense. C'est les larmes qui sont à moi. C'est les larmes qui sont à mes yeux. Les larmes seulement, mes bien-aimés. Ce que je vous dis, c'est une vérité. Les larmes. Ce sont des larmes. J'ai pleuré. Il dit, si tu meurs aujourd'hui, où ira ton âme? Si tu es riche, un jour tu vas quitter tout. Si tu es beau, un jour tu vas mourir, tu vas voir que tu n'es pas beau, tu n'es pas beau. C'est toi personnellement que Jésus m'a envoyé, toi le garçon là. J'ai dit, là il savait que c'est moi. Il me connaît. Toi le garçon qui m'écoute tout à l'heure, tu es beau, tu es fort. Oh, Dieu t'a bien préparé en bas, c'est bien solide. C'est bien lourd. Et toutes les femmes disent, tout le monde va goûter. Un jour, tu vas quitter tout. Et un jour, tu vas rendre compte. Sache que tout ce que tu dis que c'est pour toi, ce n'est pas pour toi. Tu ne t'appartiens pas toi-même. Tu appartiens à quelqu'un. C'est pour cela qu'il y a le vide qui est autour de toi. C'est pour cela que tu n'es pas encore arrivé à trouver la paix en toi. Le jour que tu vas rencontrer Jésus, tu auras la paix. Et le vide là, Jésus va remplacer le vide qui est dans ta vie. Waouh! Il a parlé ce comme il me connaissait. Il a parlé. J'ai pleuré. Il a dit, conclusion, toi, tu couches avec les femmes de tout. Je veux te dire que c'est ce qui fait mal à Jésus. C'est ce qui fait mal à Jésus.
bande de trucs. Jésus n'aime pas ça. Tu peux être sur les pas. Tu peux faire des heures. Et les femmes vont t'apprécier. Sache que Jésus, un jour, Jésus va te tuer si ne te repens pas. Il dit, hein? Jésus va me tuer si je ne me repens pas. Bien aimé, si je vous dis ce que je faisais, vous ne pouvez jamais croire. Pour monter sur une femme, ce que je faisais, je peux faire même 6 heures du temps. Je ne peux rien donner. Je sais comment je fais, mais c'est un péché. C'est un péché. Et toi qui m'écoutes actuellement, explique-nous comment tu fais. Moi, mon mari là, c'est une poule. Moi, dis-nous. Et puis, je vais montrer à mon mari, je ne vais pas dire. C'est un péché. Oh, toi tu dis, oh, moi je connais, je fais. Moi, si je faisais comme ça, si tu n'arrêtes pas, hein, postard t'attend. Monsieur le postard va t'attraper. Le gars a parlé, a prêché. J'ai pleuré, dit, mais à cause de toi que Jésus est venu, dans ta vie à Jésus, tu auras la paix. À cet Jésus comme ton sauveur, ton redempteur, tu auras la paix. Et le vide qui est autour de toi, Jésus même, sera le vide dans ta vie. Et puis tu n'auras aucune vie dans ta vie. Mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux premièrement et dis ce que j'ai dit et appelle-moi pour que je te donne Jésus. Et j'ai pris mon téléphone en pleurant, même si mon papa avait mouru, j'ai attendu qu'on m'avait appelé pour me dire que mon papa est décédé, je ne peux pas pleurer comme ça. Mon cousin avait décédé, moi je n'ai pas pleuré. Non, c'est plutôt, moi j'allais chercher encore la copine de mon cousin pour attraper, pour faire ce que je veux. Je n'ai pas pleuré. Mais le jour-là, c'est une parole seulement, j'ai pleuré. Mais bien, j'ai pleuré, les larmes sortent. Et j'ai appelé le numéro. Oh. Je voyais sur mon numéro de portable, développe 16. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que développe 16 cherche dans mon portable? Peut-être c'est une erreur que j'ai faite. J'attendais que le pasteur me donne encore son numéro. Il a dans le numéro. J'ai lancé encore pour accepter Jésus. Le numéro, ce qui m'a sorti, développe 16. Client, développe 16. Il dit client, développe 16. Client, développe 16. Oh bien, c'est erreur que j'ai fait. Client, développe 16. En tout cas, je vais appeler pour ce que je dis d'abord. Pour voir le numéro de la personne. Et j'ai appelé, il a décroché. Elle dit, pasteur, ce que tu viens de dire, c'est moi. Il y a des jours, il y a des années que je cherchais la paix dans ma vie, mais je n'ai pas trouvé. En pleurant, c'est sur les médias. Moi, dans les Togolais, là-haut, Radio Zion, bien la Radio Bonne Nouvelle, je ne me rappelle pas de quelle radio c'est, Radio JVA, je ne sais pas très bien. Mais je savais que c'est entre les trois radios là. Et il dit, oh mon fils, Jésus t'a pardonné. Oh baba baba baba. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Il peut faire ce qu'il va me faire. Et notre église est ici, mais appelle-moi sur ce numéro, on va se voir et on va t'indiquer. Mais bien aimé, je suis pressé même pour aller, pour dire tout ce que je fais de ma vie. Après,
J'ai dit, le numéro là, c'est qui même? Client développe 16. Et c'est le pasteur là qui vient de me prêcher là. Et c'est lui qui doit décrocher le numéro là. Là, ce que je crois que j'ai reçu à travers le téléphone, c'est quand c'est maintenant que je vais m'énerver. C'est quand je vais m'énerver. Je dis non. Attends. Non, ne tenez pas. C'est bon, il m'a plus le temps pour pleurer. Et il m'a plus le temps pour me faire pleurer en croyant que j'ai accepté Jésus, en croyant que j'ai la paix, mais je n'ai rien. Non, attends. Je vais prendre un autre numéro pour appeler. J'ai pris un autre numéro pour appeler. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Romero. Hé, Romero, tu as quoi? Je t'ai déjà payé, non? Oui, je ne t'ai pas payé. J'ai dit, oui. Tu m'as payé et j'ai éteint. Et maintenant, j'ai pris le numéro là, client de l'obsesse là. Et j'ai joué le numéro, j'ai joué l'appel là. J'ai dit, c'est la même voix. Avec le pasteur. Je dis, non, je vais rappeler sur son numéro, client de l'obsesse pour voir. Et j'ai appelé encore sur son numéro. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est Romeo. Romeo, qu'est-ce que tu as maintenant juste? Tu ne m'as pas appelé tout à l'heure? J'ai dit, oui. Je t'ai déjà appelé. Il dit, oh non. Et j'ai encore de nouveautés là. Ah? Il y a encore de nouveautés, oui. C'est puissant, hein? Ah bon? Amène beaucoup. Faut amener beaucoup. Parce que je l'avais raconté, il m'a dit qu'il veut ce qui va développer son sexe. Parce que son sexe là, c'est trop petit. Et les pas avec les gros fesses là, ils sont en train de l'embêter. Là, il veut ce qui est gros. Ce qui est long. Pour vous corriger les femmes là. Je dis bon, on va voir, parce que c'est mon travail. À l'époque, je suis docteur de ce travail. Et docteur de Satan. Là, j'avais acheté encore un autre Viagra avec un autre développeur. Et on est allé, c'est la personne que j'avais vendu de développeur, c'est lui. Et je disais, j'ai amené encore. J'ai amené. Et je l'ai fait sortir des développeurs de ce qui va développer. Mais bien aimé, aujourd'hui je suis en Jésus, j'ai la paix. Et il n'y a aucune vide autour de moi aujourd'hui. Je veux vous dire que développeurs, c'est une grande mensonge. Est-ce qu'un pommeau peut grossir la tête? Répondez-moi. Et c'est ce que je viens de faire là. C'est un poumon qui va être développé. C'est faux. Moi, j'ai vendu aux gens, mais c'est faux. Et le gars là, tant que je suis en train de le vendre, les poumons là, avec les diagras, ce qui sera fort là, il y a une fille qui a voilé la tête, arrive. Alléluia, pasteur. C'est le jeu là. C'est le jeu là. C'est très bon. Et puis, il dit que c'est mon collègue là qui vient, je suis venu le raconter ici. Il dit, c'est moi qui est votre collègue. C'est moi qui est votre collègue. Oh bon, c'est le jeu là que vous faites à l'homme ici. C'est très bon. On va voir. Comme il a dit ça là, j'ai dit toi là, aujourd'hui là. Tu vas, l'argent là qu'ils t'ont cotisé à l'église là, tu vas me verser ça ici. Là, voici, je suis devenu donné ici aujourd'hui. Je dois arracher tout. Je dis ça dans mon cœur. Il dit, ah, collègue, il faut le dire un mot. Ah, collègue, là, ça dit, moi, je suis passé. Et je dis, que Dieu t'ait béni. Hein. Il dit, merci, passé. Il dit, va. Après, moi, j'ai pris mon argent. Et notre fille aussi vient encore. Lui seul.
Mais le jour que je l'ai pendu une pommade là, c'est une autre femme. Avec des grosses fesses, vraiment, comme il a dit. Mais ça là, c'est des femmes étrangères encore. Et moi, j'ai pris mon argent. Après, je leur ai dit que, pasteur, tu sais que tu m'as donné Jésus un matin de 5 heures comme ça. Il dit, c'est vrai? J'ai dit, oui. Mais ce que tu as fait là, moi, mais j'avais dit, si je t'attrapais, je vais te chicoter. Je vais te frapper. Je n'ai pas le jeu là. Tu m'as fait pleurer. Hein? Tu m'as fait pleurer. Hein? Je suis en train de pleurer comme c'est la vérité ce que tu disais. Il dit, calme-toi, calme-toi. Dis-moi ce que tu veux. Et puis c'est quoi? Tu as quoi? Je dis, si moi j'étais président dans ce bout-là que je vais attraper dans ce pays pour frapper. Il dit, il faut devenir président. Je dis, je vais devenir président, tu vas voir. Il a refatigué. Il dit, toi, si tu as trouvé de nouveautés, amène-moi. Je te donne l'argent là, ça ne te suffit pas. J'ai dit, non. C'est pas ton argent là que moi je veux. Parce que j'avais des grands clients dans ce pays. C'est pas ton 100 000, 200 000 là que moi je veux. Moi, j'avais des millions, tout juste pour vous dire quelque chose. Que depuis ce jour-là, la paix que je cherchais là s'est aggravée. Pire. Et le vide qui était autour de moi là, mes bien-aimés, c'est pire encore. J'ai tout, mais il n'y a pas la paix. Il y a un vide qui est autour de moi. Je me demandais. Mais dans ma vie aussi, je n'ai jamais allé chez un charlatan. Non. Seulement, je suis quelqu'un qui veut arracher l'argent à tous les moyens devant les gens du monde pour rassasier les femmes du monde, pour louer des grands hôtels. Mais bien aimé, Jésus m'a fait grâce. Parce que moi-même, j'avais dit que moi, je vais mourir dans l'église catholique. Malgré, je ne trouve pas la paix. Malgré, il y a un vide qui est autour de moi. Mais, je vais rester comme ça. Mais, Jésus m'a fait grâce. Un jour, vous-même, vous avez suivi mon témoignage que j'ai dit. J'avais fait la cour à la fille d'un grand dans ce pays. Et je disais à Maria, Marie, dis à ton fils là que je vais faire la cour là. Attends, mais tu le connais, l'argent là ne les appartient pas. Nous aussi, au moins, on va avoir quelque chose dedans. Marie, si j'allais, est-ce qu'elle a accepté? Si elle a accepté que moi avec lui, on va marcher et je vais le prendre comme femme. Marie, la promesse là que je vais te faire là, le vœu là, je vais accomplir ça. Je vais accomplir mon vœu. Mon vœu est que je veux faire le statut de mari pour propager dans l'église catholique au Togo. Je suis prêt. Vraiment, je suis allé. Marie, je croyais que Marie, que nous les catholiques, nous adorions avant. Je croyais que c'est Marie vraie, mais je ne savais pas que c'est un démon, c'est un vampire, c'est un esprit. C'est un esprit de Romain. Je ne savais pas, c'est un esprit des Italiens. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il m'a fait grâce. Bien-aimé, et le jour-là, je suis content parce que la fille a accepté. Oh, l'argent là. Oh, maintenant là. Oh, l'argent augmente. Et moi-même, je chantais. L'argent appelle l'argent. Waouh! L'argent là appelle l'argent. Oh Dieu merci. Oh Marie, merci que ton fils m'a créé. Je suis beau. Waouh. Marie, gros bijoux. J'ai acheté des bougies, des allumettes, des choses pour aller déposer à l'église premièrement. Et maintenant je suis venu à la maison en train de faire des musiques. Et le chanson dit, si on a pris le fardeau de Marie, je vais le prendre. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas le fardeau de Marie.
Parce que Marie aussi, elle est sauvée à travers Jésus. C'est là que j'ai entendu la voix. Moi qui cherchais la paix. Moi là, qui cherchais quelqu'un qui va me protéger, malgré que j'avais la force. J'avais la force humaine. Mais je cherchais encore quelqu'un qui va me protéger. J'ai cherché la paix. Marie avait toutes les formes différentes dans le monde. Mais, si vous voyez à l'époque, avec les femmes par lesquelles je marchais, si sont-ils disaient, ils vont me dire bonjour, tu vas avoir peur. Tu ne peux pas dire bonjour. Tu vas avoir peur. Moi qui cherchais la paix de quelqu'un, maintenant, j'ai entendu la voix dans la douche. Je suis un Dieu jaloux. Hey, un Dieu jaloux. Et le dizaine que j'avais, c'est comme quelqu'un a mis la main sur ça, c'est comme c'est devenu sa fin dans ma main, c'est tombé. Vous connaissez, vous regardez 14, vous allez écouter ça. Et c'est là que je me suis fui, j'ai fui aux toilettes pour aller dans la chambre pour dire ma femme. Mais, chérie, viens. Qui a été crié dans la maison comme un fou que je suis un Dieu jaloux? C'est qui? Qui est la personne? C'est qui? Dis-le-moi. Parce que je crois que j'ai la force et je vais taper Dieu aussi. Mes bien-aimés, j'arrive à la fin pour vous dire que dès que je suis rentré dans la chambre, j'ai demandé à ma femme. J'ai entendu. Quelqu'un te décrit, mais si tu là, je suis, mais si tu es là, qu'on dit, ou bien tu es à Sécassé, tu vas attendre, mais je suis à Lomé, à Tégou. Mais si tu étais à Sécassé, tu m'as entendu la voix qui dit, je suis un Dieu jaloux, la voix comme une voix de tonnerre. Hey! C'est là, le Seigneur m'appelle grâce aujourd'hui. Il a envoyé ses anges. Ils sont venus. Il dit, viens. Je vous ai dit, si vous regardez la vidéo 14h, avant de sortir dans mon corps, comment j'ai mal partout. Surtout mal au cœur. Mais bien, mais si quelqu'un veut mourir là, ce n'est pas petite affaire, hein. Pour fermer sa bouche. Ce n'est pas petite affaire. Et maintenant, je vois deux personnes. Je vois mon corps qui est couché, ouvrez la bouche comme ça. Et je vois quelqu'un aussi, comme moi. Et je disais à moi, est-ce que je suis devenu Dieu? Je suis devenu Dieu homme. Et il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je dis, vous êtes qui? Et cela, il me dit que nous sommes l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, oui. L'ange de l'éternel. Que le Seigneur Jésus nous envoie vers toi. J'ai ri. Le Seigneur Jésus, il vous a envoyé vers moi, dit oui. Moi, en tant que pécheur, il dit oui. C'est pour les pécheurs que Jésus est venu pour mourir. Waouh! Waouh! La paix commence à venir à moi parce que c'est pour mon péché que Jésus est venu mourir. Dis oui. C'est pour le péché que Jésus est venu mourir. Je dis encore. C'est bon. Et bien, celui-là qui est couché là, il est qui? Il dit c'est mon corps. Et moi qui vous parle. Que c'est ça là que Jésus est venu. Payer le prix. Ton âme là, c'est à cause de lui que Jésus est venu accepter qu'on l'a, on l'a traité de tous les noms, on l'a crucifié, on l'a renié publiquement, on l'a fait tout ce qu'on peut faire à cause de ça, ton âme. Depuis le jour que j'ai raconté Jésus, alléluia, il y a la paix dans mon cœur, il y a la joie, il y a l'amour. Il y a la puissance, il y a la beauté. Eh oui,
Je ne mets pas les choses encore aujourd'hui, mais je suis beau. Si je ne suis pas beau pour toi, je suis beau pour mon Dieu, je suis beau pour ma femme. Ça m'arrête. Je suis beau pour mes enfants et je suis beau pour mes enfants spirituels aussi, qu'on va aller au ciel. Arriver à la portée du ciel. Vraiment, mes bien-aimés, si tu n'as pas Jésus, il y a quelqu'un qui s'appelle accusateur, qui t'attend à la porte du ciel. Accusateur. Parce que tout ce que les hommes ont montré sur la terre, j'ai dit, next, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne peux pas aussi croire. Les anges, ils m'ont dit, arrivé quelque part là, tu vas croire plus que nous-mêmes. En bas, là, je suis pressé pour arriver quelque part pour croire. Mais bien-aimé, toi-même qui m'écoutes, tout ce que j'ai dit, tu dis non. Arrivé quelque part aussi là, tu vas croire plus que moi. Tu vas croire plus que moi, mes bien-aimés. C'est là que le Seigneur Jésus m'a dit quelque chose. Il dit, tu me connais? Directement, automatiquement, la chose est venue à moi. Il dit, oui, je te connais. C'est toi qui es venu mourir pour mon péché. C'est toi qui es venu nous sauver. C'est toi qui es notre sauveur. Il m'a dit, il m'a regardé en souriant. Je vous assure, si Jésus vient sur la terre, toutes les hommes seront jaloux. Toutes les femmes vont quitter toutes les hommes sur la terre pour venir chez lui. Mais ne soyez pas jaloux. Il est pour nous aussi. Comment il est beau. Sa beauté, il n'y a pas d'eux. Il m'a souri seulement. La paix que je cherchais partout. Le jour-là, j'ai la paix. Waouh! Et je croyais que je vais chercher des arguments pour dire, oh Seigneur, tu sais que je sais que tu es venu mourir pour moi, mais je croyais que je peux trouver des arguments. Directement, il me dit, tu me connais, tu mets cette vie. Là, je vais donner les arguments. Un écran, comme un grand télé, se produit devant moi. Et je vois l'écran. J'ai vu toute ma vie. Toute ma vie. Incroyable, mes frères. Comment mon papa et mes parents, le jour-là, qui mon papa a accepté ma maman, j'ai vu sur l'écran. Si je vois mes parents, si je me souviens ça, je ris, je dis, hey, Dieu, tu es fort. Dieu, tu es trop fort. Comment ma maman, en train de m'accoucher, et combien de personnes qui sont avec lui, mes bien-aimés, et tous les péchés que j'ai faits, un clin d'œil. Je ne voulais pas regarder. J'ai tourné mon visage. L'écran s'y vient ici. J'ai baissé ma tête. L'écran s'y vient là-bas. Je dis, quoi? Ici, là, c'est où ça? Il n'y a rien qui est caché. Mais bien aimé, c'est une vérité. Si vous voyez, Marc 4, verset 22. Marc 4, verset 22 dit, je lis la parole de Dieu, le puissant de Jésus. Car il n'a rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de secret qui ne doit être mis au jour. Hein? J'ai vu pour moi, j'ai pas dit que j'ai vu pour toi. Mais bien aimé, j'ai vu pour moi. La nuit, moi je vais à Décon. La nuit, moi, tel que je vais au Bénin, comment je vais dans le jockey la nuit. Mais sur l'écran, il ne fait pas nuit, c'est jour clair comme ça. Quelle caméra qui est fort comme ça? Quelle caméra qui est trop puissante comme ça? Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Mais bien aimé,
Je vous dis, c'est incroyable, mais vrai. Quelle caméra? J'ai regardé tout en un clin d'œil. Un clin d'œil. Tous mes péchés. Comme la Bible dit que nulle créature, rien n'est caché devant notre Dieu, à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché. Tout est nu devant notre Dieu. C'est vrai. Depuis ce jour, je disais dans mon cœur, Seigneur, si tu ne me jettes pas en enfer, je vais faire tout ce que tu me dis. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Vous faites péché, cachez jamais. Si moi j'ai fait péché, je vous assure, moi-même je vais vous dire publiquement mon péché. Parce que si je cache, caméra là-bas, il me voit. Dès que je suis arrivé, après vidéo de ma vie, Jésus m'a posé deux questions. Première question, es-tu prêt à aller? Comment il me sourit? Moi, je crois que je vais aller au paradis. Es-tu prêt pour aller au paradis? Il dit, c'est ce qu'on veut, tout le monde. Paradis là, je suis prêt. Je ne savais pas qu'il y a une deuxième question qui m'attendait. La deuxième question, es-tu prêt avec une voix? Et la voix que j'ai entendue qui m'a dit, je suis Dieu, je suis un Dieu jaloux. La voix là aussi, j'ai entendu, j'ai dit, c'est cette voix qui m'a parlé. Il dit, es-tu prêt pour aller en enfer? C'est comme on a jeté un caillou comme ça. À l'air, vous voyez la vitesse? C'est comme ça on a couru pour aller au fond de la terre. Voix des cris derrière. Depuis ce jour, il y a deux choses aussi que Jésus m'a dit. Il m'a montré ce que se passe en enfer. Toi qui n'as pas la paix, ta demain c'est en enfer. Toi que tu invites, que tu n'as pas Jésus, ta demain c'est en enfer. Arrivé au ciel, tel qu'il m'a montré les choses en enfer, arrivé au ciel, la joie là. Oh. J'ai oublié que j'ai regardé quelque chose en enfer. J'ai oublié. Mais bien aimé, toutes les souffrances dans ce monde, les maladies, des guerres, des faims, toutes les souffrances dans ce monde, si on ramasse pour déposer sur la tête d'un individu, ça n'atteint pas une minute en enfer. C'est une vérité. Ça vient du Seigneur, ce que je vous dis. C'est une vérité incontournable. Si on ramasse toutes les souffrances de ce monde pour déposer la tête d'un individu, ça n'atteint pas une minute seulement en enfer. Hey, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Si on ramasse toute la joie qui est sur la terre, comme des footballeurs qui ont marqué le but et tous les coupes du monde sont allés, c'est un seul pays qui a pris le coup, regarde la joie là, et regarde comment les joies partout. Si on prend tout, on ramasse toutes les joies sur la terre pour déposer sur un individu, arriver au ciel, ça n'atteint pas une minute. La joie qui est au ciel. Arriver seulement avec l'argent qui est sur cette terre, on a ramassé toute l'argent sur ta terre. Arriver au ciel, une minute seulement, ça n'atteint pas. C'est pourquoi je comprends comme Paul a dit, Romains chapitre 8, verset 17 à 18. Oui, je me rappelle, il a dit quelque chose là-bas. Romains chapitre 8, verset 17 à 18. Paul a dit que je lis la parole de Dieu en puissance de Jésus. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime, maintenant que j'estime que les souffrances du temps présent ne sera être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia.
Oui. Révélé pour nous aussi. Non. Une minute. De, si on ramasse toute l'argent qui est sur cette terre pour déposer sur un individu, ça n'atteint pas une minute au paradis. Ouais, j'imagine. Arrivé au ciel, je disais dans mon cœur que moi je ne veux plus sortir ici. Je suis arrivé, je restais à côté d'une fleur, fleur qui est en train de louer le Seigneur, qui est en train de chanter pour le Seigneur. Arrivé là-bas, mais bien aimé, j'ai accroché. Et le Seigneur Jésus dit, viens. J'ai fait comme je n'entends pas comme il m'appelle. Seulement pour rester là-bas. Il dit, regarde, il y a deux choses. Tu vas prendre un. Ou ça, tu vas obéir un. Il dit, je suis prêt. Ce que je t'ai montré, tu vas aller à la terre pour Dieu au champ. C'est maintenant tu vas travailler pour venir ici. C'est un. Mais si tu dis que tu vas rester ici, je vais te jeter en enfer. Prends un dedans. C'est pour cela que je suis ici, sinon. Pour faire quoi ici? Ma bien-aimée, il y a quoi ici? On dit, bon, je vais prendre un. C'est après de un là que je suis ici. Et toi, tu es en train de m'insulter. Il faut m'insulter. La suite m'a dit pour partir. Pour partir. Depuis ce jour que j'ai accepté Jésus dans ma vie, comme mon Seigneur, mon Sauveur, j'ai la paix là, j'ai la joie, j'ai tout. Dès que je suis venu sur la terre, les anges aussi m'ont amené. Et Jésus m'a juré en disant, tu vas revenir, je te le jure, de mon grand nom, alléluia. Tout ce que tu peux dire, moi je ne t'écoute pas. Je te jure de mon grand nom. Que tu vas régner avec moi au siècle des siècles. Amen. Amen. Ça, je le crois. Il n'aime pas un nom pour me mentir. Non! Il n'aime pas un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il m'a dit en jurant de son grand nom. Et il m'a fait grâce que je ne veux pas de tombeau sans que je s'éteigne. Bien aimé, depuis ce jour, je suis arrivé, j'ai commencé à aimer les gens. À aimer les gens. Et la première personne que j'ai aimée, c'est ma femme. Avec mon fils Isaac, tant qu'il était dans le ventre de sa maman, le moment là, j'avais trouvé une fille là. Oui! Attention, je ne sais pas si c'est Mamie Wata. Elle est belle plus que Mamie Wata même. Dit, ah! Et j'ai pris ça là pour rester à la maison. Ah! Je l'ai frappé. Je disais dans mon cœur, si je le frappe là, elle m'a fille. Et puis, je suis sauvé. Je l'ai frappé avec la grosse jusqu'à le mettre nu devant les gens. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai frappé. Pour qu'elle fume. Pour qu'elle sache que je suis méchant. Je ne dis pas que tant que j'ai accepté Jésus, hein, tant que je suis dans le monde, écoute-moi bien. Il ne faut pas mélanger les choses. Même, j'ai fait ma main comme ça. Tiens, ici, là, c'est déchiré. C'est à l'hôpital, on l'a amené. On dit que c'est comme j'ai un couteau ici, là. Et j'ai coupé. Je ne l'ai pas aimé. Même lui, avec la grossesse, je ne l'ai pas aimé. C'est vraiment ce que j'ai mis, n'a qu'à partir. Pour prendre l'argent même, il n'a qu'à prendre tout. Parce que j'ai trouvé, waouh. Ça, c'est le monde, on dit waouh. C'est l'enfer, waouh. C'est l'enfer, waouh. Mais tant que je suis arrivé, j'ai vu ma femme, j'ai vu mes enfants, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Moi, en tant que père de famille, je me suis mis à genoux devant mon fils qui s'appelle Isaac. J'ai dit, Isaac, tant que tu es dans le ventre là, même j'ai donné un point à ta maman dans son ventre. Et je l'ai jeté par terre. Je l'ai mis nu. Mais pardonne-moi. Parce que je n'avais pas la paix dans ma vie. Je n'ai pas la paix dans ma vie. La paix, il y a pas, il y avait un vide autour de moi. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé Jésus. Il m'a changé.
Christ, Isaac, pardonne-moi. Marie-Claire, ma fille, toi aussi, pardonne-moi. Ma femme a vu, elle a pleuré de ce que je lui disais. Elle a pleuré, mais bien aimé, elle peut vous témoigner ce que je vous dis. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Il dit non, qui m'a pardonné? Je dis pardonne-moi. Et je les ai mis tous à la montagne. Moi qui n'ai jamais géré. Moi qui n'ai jamais géré. Mais une du temps, je ne peux pas faire tant que je suis dans le monde. Mais je les ai amenés à la montagne. Hey, je l'ai 3 jours. Incroyable. Ma femme qui disait qu'elle était aiguë dans l'assemblée de Dieu, mais elle n'arrive pas à soutenir. Mais j'ai jeûné facilement parce qu'il y a la paix de Jésus à moi. Parce que le tout que j'ai là, Jésus a mis fin. Et c'est là, j'ai dit la vérité à ma femme. Comment j'ai couché avec le père. Je n'ai rien caché. J'ai dit la vérité. Ma femme, tout de pleurer, dit. Dis que tout ce que tu dis, tu m'as dit non. Parce qu'il y a une caméra au ciel. Tout ce que j'ai fait en cachette là, on m'a montré. Je ne peux plus mentir. C'est pour ça aujourd'hui, ma femme, il dit, toi, je t'ai garanti paradis, mais tu crains plus que nous. Dieu t'a dit qu'il ne va jamais compter péché pour toi. Mais tu as la crainte de Dieu plus que nous. Alors demande Dieu, l'onction là qui t'a déposé dans ta vie, demande-le pour qu'il me donne aussi. Wow! J'ai confessé tout. Je n'ai rien caché. Et partout des maisons étaient, tout ce que j'ai fait, j'ai révélé tout. C'est ma première fois que j'ai dit la vérité à ma femme. Elle a pleuré pour ma cause. 310 fois quoi? Tu es seulement à l'âge de 25 ans, 310 fois. Si Jésus ne va pas attraper aujourd'hui 32 ans, imaginez. Il faut imaginer. Jésus, il est trop bon. Si Jésus arrivait pour me sauver, mon frère, il va te sauver aussi. Pécheur que je suis, Jésus m'a sauvé et il m'a garanti le paradis. Bien-aimé, tu es dans les francs-maçons, tu es dans les cercles, tu es joueur, tu es qui, n'importe que tu es dans ce monde, si tu manques la paix, je t'invite, viens à Jésus. S'il y a un vide aussi autour de toi, viens à Jésus, tu auras la paix et tu auras la liberté. À qui j'ai volé, maintenant je suis allé restituer les gens. Incroyable. Et les étudiants que j'ai menti, que j'ai fait droit, je fais la troisième, je suis à la troisième année, là, 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 là. Je suis allé dire, mais bien aimé, même BPC, je n'ai pas eu BPC même. Je suis en troisième année, je ne savais pas écrire mon nom. C'est une vérité ce que je vous dis. Je fais restitution. Comment j'ai menti à une fille, une étudiante, comment elle m'aimait. Elle m'aimait très fort. C'est une jeune fille qui a l'intelligence. Elle fait médecine. À l'âge de 23 ans, elle a eu son licence en médecine. Comment je l'avais menti que je suis parti en Amérique. Parce que je ne veux plus l'aimer, parce que je suis dans le monde. Si quelqu'un me dit, il m'aime, ce que moi je veux. Et à l'époque, tant que je suis dans le monde, si on était, si j'ai fait 2, 3, ah, tu es comme caca, je ne veux plus de toi. Mais tant que Jésus est venu à moi, je suis allé vers eux-mêmes et je me suis mis à genoux pour dire, pardonne-moi, tant que je suis dans le monde, mes clients, hein, un conseil de président Togo, notre présent fort son Zinab. Moi, je répondais Viagra à son conseiller. Je ne mens pas. C'est une vérité. Comment moi, je prends les filles pour donner ce conseiller-là, pour me garantir mes Viagra, pour que les Viagra finissent vite.
Parce que si tu as fait un champ, il faut acheter au moins la roue ou bien coupe-coupe pour donner les cultivateurs pour bien racler le champ pour ta vie. Mais je suis allé vers tous ces gens, je vous parle, pour demander pardon. Mais à l'époque, il m'a appelé pour venir pour le vendre encore. Mais le moment-là, même de l'eau pour boire, il n'y a pas. Mais j'ai tenu seulement 14 heures, mon témoin, 14 heures pour aller lui donner. Et je me suis mis à genoux pour lui demander pardon. Il dit que tu es fou. J'ai dit non, je ne suis pas fou. L'amour de Jésus est venu à moi. Je ne peux plus mentir. Ce que Jésus me dit, c'est ce que je vais dire. C'est pour ça, vous les femmes, vous qui m'aimez, pardon. J'ai une seule femme que Dieu m'a donnée. Je vous dis que ça fait 2000 femmes qui disent que je serai leur mari. Pardon, je ne suis pas Salomon. Et je ne serai plus Salomon. Si Salomon était en vie, vous devez aller auprès de lui. Mais malheureusement, Salomon n'est plus en vie. Là, quand vous dites que vous allez me marier, j'ai l'amour de Jésus. Venez, je vais vous prendre pour donner Seigneur Jésus. Vous allez marier au Seigneur parce qu'il est notre épouse. Ça, c'est important, mes bien-aimés. C'est nous qui sommes l'époux du Seigneur. Venez, on va aller auprès du Seigneur. Il est notre époux. Et nous sommes son épouse. Mes bien-aimés, venez. Venez. On va aller au paradis. Aujourd'hui, j'ai la paix. Et c'est pour cela ce que je veux partager avec vous. Toi aussi qui cherches la paix. Toi aussi qui veux accepter Jésus comme ton sauveur, ton rédempteur. Je veux prier pour toi. Mais avant de prier pour toi, on va chanter ce cantique. Et tu vas dire ce que je vais dire. Mais si tu as Jésus, attends que tout le monde peut t'abandonner, mais sache que la paix que Jésus t'a donnée, personne ne peut jamais arracher ça. Et Jésus qui est derrière toi, il ne va jamais te quitter parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Waouh! Il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Et la paix qu'il t'a donnée, personne ne va jamais t'arracher. Personne ne peut jamais t'arracher la paix là parce qu'il est fidèle. Il est fidèle et il sera toujours fidèle. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas comme un orphelin. Non, il intercède pour nous et il prie pour nous aussi. Il est fidèle. Toi, qui n'as pas Jésus, si tu veux vraiment accepter Jésus, tu es athée, tu es pédé, tu es qui, partout dans le monde, il y avait un vide qui est autour de moi avant. Il n'y a pas la paix à moi. Mais aujourd'hui, toi aussi, il peut arriver qu'il y ait un vide autour de toi. Je t'invite et je t'exhorte à travers tous mes témoignages. Écoutez et revenons à Jésus. Je vais chanter deux cantiques. Premier cantique dit, il m'aime. Je ne sais pas pourquoi il m'aime. Et il est parti à la croix, mourir pour moi. Deuxième cantique. Si tout le monde t'abandonne, Seigneur, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Je sais ce que tu m'as fait. Waouh! Oui, je sais ce que Jésus m'a fait. Ce sont les cantiques. Après, toi que tu es touché à travers ce témoignage, tu vas donner ta vie à Jésus et tu vas dire ce que je te dis. Premier cantique, et l'homme ne me nous cita. Yesu l'homme ne me nous cita. Le caverito di la tito de la nuit. Yesu lama, nyamanya no sita o. Le kavari toji, la tito galaru.
Yesu lama nyemenya no sita menya no si ena na mo dobreha nyematija Yesu peka ya ya menya no si ona nyematija Yesu peka ya ya Menyanusi ona si me hoye soa si me hoye soa e mano yumira hallelujah si me hoye so si me hoye soa e mano yumira menyanusi ona Namo wodovlo Yesu nye Nye matida Yesu peka ya ya Menyanu si ona Hallelujah Nye matida Yesu peka ya ya Menyanu si ona Je vais ajouter la troisième Nadi hamiyona yuwa Pridome nyonyo taye Madegbefa epe nutina Leduko dome Hallelujah! Madi hamiyona yuwa Lepe dame nyonyo taye Madegbe fa epe nutina Leduko dome Sika ple klosaro Ma te ma pleo Nosi Yesu ona ye Gabriele Madegbe fa epe nutina Lepe dorme nyonyota. Amen. Je dois chanter la grandeur de l'éternel. Ce qui m'a fait, l'or et l'argent ne peut pas l'acheter. Alléluia. Ce que Jésus m'a fait, l'or et l'argent ne peut jamais l'acheter. Je veux programmer la grandeur de l'éternel de tout le monde entier. Toi, président, tu cherches la paix. À cet Jésus, tu auras la paix. Toi, milliardaire, tu cherches la paix. À cet Jésus, tu auras la paix. Toi, soldat, général, colonel, vous tous qui m'écoutez, vous cherchez la paix pour vos foyers. Vous cherchez la guérison pour vos foyers. À cet Jésus, vous aurez tout. Mais bien aimé, je vous dis que tant que je suis dans le monde, médicaments, je bois toujours médicaments. Je tombe malade vite, vite. Mal à la tête. Si vous me voyez, demandez à ma femme. Je suis comme un cadavre. Moi de ventre, si vous me voyez, j'ai une hémorroïde. Ça sent mauvais. J'ai acheté tous les produits fatigués. Je vous assure que le jour que j'ai rencontré Jésus, toutes les maladies sont devenues santé dans ma vie. Alléluia. Si je dépose la main que Dieu m'a béni, comment Dieu, notre Seigneur Jésus, a mis sa main dans ma main en marchant. Si je te pose la main là sur toi, waouh, tu auras la paix. Comme les apôtres, ils déposent la main sur les gens, ils reçoivent Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que Jésus aussi a fait pour moi dans ma vie. Mais Dieu a vu de grandes choses que je ne peux pas vous expliquer tout. Toi, qui est dans le foyer, ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné, on t'a renvoyé au travail. Tout le monde ne veut plus de toi, Jésus lui veut de toi. Que je cherche la paix, à 7 mois, ce que je veux faire, et je vais prier, tu vas témoigner bien-aimé, tu vas appeler pour témoigner la grandeur, waouh, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Toi qui veux confesser que Jésus est Dieu, répète ce que je vais te dire. Romains chapitre 10, verset 9. Je lis la parole de Dieu, le puissant de Jésus. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
toi que tu as écouté ce que je viens de dire, si tu crois que c'est la vérité de ce que je dis, si tu veux la paix, tu es blanc, laisse toutes les couleurs, laisse toute ton identité, mais si ce que tu veux la paix. Toi, tu veux la paix pour ta maman. Toi, tu veux la paix pour ton mari. Tu veux la guérison pour ton mari. Tu veux la guérison pour ton papa, tes parents, ta soeur, ta grand-soeur. Écoutez-moi, fais ce que je vous dis. Levez vos mains. Dis, Seigneur Jésus, merci de venir mourir pour moi. Maintenant, je crois que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Dieu. Je crois dans mon cœur, je confesse que tu es moi. Dieu t'a resté au troisième jour et tu vis de maintenant à jamais. Tu es mon sauveur. Seigneur, efface mon nom dans le livre de l'enfer. Et écris mon nom dans le livre de paradis. Je t'accepte aujourd'hui. Donne-moi aussi la paix. Donne-moi aussi la joie. Seigneur, touche mon cœur. Enlève-moi un cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. Mets ton Esprit Saint à moi. Tu as dit, si je confesse, si je n'ai pas honte de toi, que toi aussi tu n'auras pas honte de moi. Seigneur, je n'ai pas honte de toi. Seigneur, toi aussi il ne faut pas avoir honte de moi. Seigneur, que toute la force qui me dominait comme péché, Seigneur, aide-moi à partir d'aujourd'hui que les choses anciennes qui sont dans ma vie soient passées pour que je devienne une nouvelle créature. Nouvelle créature. Si je vis, c'est un peu moi, mais c'est toi, Jésus, qui vis à moi. Seigneur, mets ce que tu l'as fait. Mets ce que tu l'as fait. Seigneur, en ton nom que nous avons prié, et je crois que tu es venu mourir pour mon péché. Merci que j'ai confessé. En ton nom que tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Toi qui as accepté, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie que la grâce que tu m'as faite dans ma vie accorde-la aussi. Je témoigne ta grandeur de ce que tu m'as fait. Mon Dieu, mon roi, touche-le. Que tout le monde qui vient de se confesser Jésus, que à travers eux, leur maison soit sauvée au nom de Jésus. Et maintenant, accorde-leur. Ce président, accorde-leur la paix. Ce ministre, accorde-leur la paix. Ce général, ce musulman, le monde entier, tout le monde entier qui cherche la paix. Mais est-ce que tu les as accordés? Gloire à ton Seigneur. Seigneur, merci que tout le monde qui vient d'accepter Jésus et que leur nom au ciel et ne fasse plus jamais. Si la tempête sont ensemble, on va régner avec toi. Seigneur Jésus, merci que tu l'as fait. Et j'ai serré avec le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Que les enfants de Dieu qui vont aller au ciel disent Amen, Amen, Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom.